Bonjour à tous et à toutes. Alors maintenant qu'on a vu les équations quotients, on n'a pas fait énormément d'exercices, mais on en avait déjà fait avant sur les équations quotients, c'est pas complètement nouveau. Maintenant, on va voir la partie vraiment nouvelle de ce chapitre, à savoir les inéquations quotients. Donc toute l'année, on a travaillé sur les inéquations, donc là, les inéquations quotients. Alors d'abord, graphiquement. Si je veux résoudre une équation du type 1 sur x est inférieur ou égal à a, donc x différent de 0, c'est une valeur interdite. Je vais m'aider de la représentation graphique de la fonction inverse. Donc, je vous l'ai remise ici. 1 sur x plus petit que 2. Alors, je représente ici le nombre 2, qui est une image, et je cherche les valeurs de x pour lesquelles 1 sur x est plus petit que 2. Donc, tout ce qui est au-dessus ne m'intéresse pas. Je vais prendre un stabilo et les parties de la courbe qui conviennent, ce sont celles que je suis en train de surligner. Voilà. Maintenant, moi, vous savez que quand je résous une équation ou une inéquation, je cherche des valeurs de x. Donc maintenant, je vais m'intéresser quelles sont les abscisses des points que j'ai surlignés. Donc les abscisses des points que j'ai surlignés, ben, c'est pas compliqué. Pardon. Ça va de là jusqu'à là-bas. Donc à droite de ce nombre-là. Alors ce nombre-là, il est égal à quoi? C'est le nombre qui a pour inverse 2. Donc ce nombre-là, c'est 1 demi. Et puis, on a toute la courbe qui est dans les négatifs, qui est solution, enfin, qui, dont les abscisses sont solution. Donc ça, ce sera l'intervalle moins l'infini, 0. Donc au final, les solutions sont l'intervalle moins l'infini 0, union, l'intervalle 1 demi plus l'infini. Alors 0, il est exclu forcément puisque x ne peut pas être égal à 0. Maintenant, on va se poser la question pour le 1 demi. Alors ici, j'ai demandé 1 sur x inférieur ou égal à 2. Donc 1 demi est compris dans les solutions. Voilà les solutions de cette inéquation. On va faire la deuxième, 1 sur x inférieur à moins 4. J'ai effacé ce que j'avais mis sur la courbe. Alors, inférieur à moins 4, ça veut dire moins 4 est ici. Donc, je vais m'intéresser aux points qui ont une ordonnée plus petite que moins 4. Ben, plus petite, c'est en dessous, encore une fois. Donc là, il n'y a pas grand-chose. C'est ici. Donc, pour les abscisses, ça correspond aux points qui sont ici. Alors, ce nombre-là, c'est l'inverse de moins 4, c'est moins un quart. Donc, finalement, l'intervalle solution, c'est l'intervalle moins un quart, 0. Alors, c'est mon imprimante qui fait du bruit. L'intervalle solution, c'est l'intervalle moins un quart 0. Je m'intéresse aux bornes maintenant. Donc ici, c'est inférieur strictement, ce qui veut dire que ça ne peut pas être égal à moins un quart et 0 est toujours une valeur interdite. Maintenant, on passe à la résolution graphique de ce type d'inéquation. Donc avec un numérateur qui dépend de x et un dénominateur qui dépend de x. Par exemple, x plus 3 sur moins x plus 4 inférieur ou égal à 0. Autrement dit, on cherche le signe, puisque inférieur ou égal à 0, c'est savoir quand est-ce que c'est négatif. D'abord, la valeur interdite, c'est moins x plus 4 égale 0, c'est x égale 4. Donc ici, x est différent de 4. F est la fonction définie pour x différent de 4 par f de x égale x plus 3 sur moins x plus 4. Donc ici, on vous l'a représenté. On me demande de prendre la calculatrice et d'essayer d'obtenir la même chose. Alors on y va. On a dit x plus 3 sur, n'oubliez pas que le moins, c'est celui qui est entre parenthèses, x plus 4. Si je trace le graphe, alors je vais les mettre côte à côte. J'ai pas tout à fait la même chose.
Et alors, si je compte vraiment les petits carreaux en espérant que ce soit un carreau pour une unité, enfin un petit tiret pour une unité, si je compte, j'en compte 20 ici et 10 ici. Donc je vais essayer en changeant la fenêtre, en allant de moins 20 à 20 pour les abscisses et de moins 10, je garde le moins 10 et 10 pour les ordonnées. Voilà, et donc là on s'aperçoit qu'on a rigoureusement la même chose que dans l'exercice. Donc je vais compléter. X min c'est moins 20, X max c'est 20, Y min moins 10 et Y max 10. On me demande de surligner les parties de la courbe qui correspondent à ce que ce quotient soit négatif. Donc je les surligne, ça va correspondre à ça. C'est négatif, c'est-à-dire que c'est sous l'axe des abscisses. Du coup, quelles sont les solutions de l'inéquation? Alors, bon, là, c'est facile, hein. C'est à droite de la valeur interdite, puisque la valeur interdite, elle est ici, hein. Vous voyez, quand il y a un saut, c'est la valeur interdite. Donc ici, ça va être le 4. Donc ça, c'est l'intervalle 4 plus l'infini. Ouvert en 4, c'est une valeur interdite. Et ici, on va se demander, c'est quelle est la valeur de ce nombre-là? Ben, ce nombre-là, c'est quand la fonction est égale à 0. Donc, c'est à quel moment mon numérateur est égal à 0. Donc ici, ça va être 3. Vous pouvez évidemment aussi utiliser ben, ce que je vous ai appris, donc un zoom cadre. Je cherche la valeur ici pour être précise du point qui coupe l'axe des abscisses. Et après, ben là, on voit bien que ça tombe presque pile avec la fonction trace. Et je trouve 2,97, voilà, 3. Donc la valeur qui est ici, c'est 3, et ça fait moins l'infini, 3 intervalles fermés, puisqu'on autorise à ce que ce soit égal à 0. Voilà pour les solutions de cette inéquation.